TV, la chaîne des gros porcs. Oh yes! Putain, j'ai réussi les amis, bonjour à tous les amis, c'est Gunty. Pour une nouvelle vidéo. Oh mon dieu, c'était catastrophique, vous savez pas, il s'est passé au moins 10 mois entre... Ah putain, je suis vraiment content, il s'est passé au moins 10 mois entre cette précédente vidéo, enfin la précédente vidéo et celle-ci, entre temps j'ai déménagé, il m'est arrivé tout un tas de conneries, des trucs de ouf, et j'ai bien cru que ma vie allait s'arrêter brièvement quoi. Mais non, Gunty est là, je suis en vie, et putain, jamais j'aurais pensé, alors je sais pas si vous avez regardé sur la précédente vidéo, vous voyez qu'à la fin je rage quitte en fait carrément, hein, parce que j'enlève mon pull parce que putain j'ai chaud. Oh là, ouais, donc je rallume ma clope, putain, j'en peux plus. Et donc, ouais, j'ai fini par rage-quit parce que j'ai trop galéré sur ce boss. En même temps, je crois que quand j'avais fait la vidéo, c'était le matin, j'étais vraiment dans le pâté. Puis du coup, après, j'ai eu plein de soucis. Enfin, voilà, j'ai déménagé, machin, et trucs avec la famille et tout, enfin bref. Plein d'emmerdes, et du coup, voilà, bah, je suis en vie, je suis de retour, et du coup, on reprend ce let's play. Alors, bah voilà, c'est pour ça qu'on avait arrêté là avec Jimmy. Je crois que je suis à la vidéo dans la vingtaine, quoi. J'ai perdu toutes mes humanités, putain, et voilà, bah, parce que je viens de réinstaller le jeu, du coup, je confonds mes touches au lieu de récupérer mon XP. J'ai pris une popo parce que du coup voilà j'ai passé une heure encore, heureusement que j'avais fait mon petit tuto sur la vidéo comment jouer en coop, parce que du coup je galérais vraiment pour retrouver ma configuration, mes touches et puis mon interface et tout. Oh, je suis en vie, donc voilà, le let's play continue, ce n'est pas abandonné. Alors, on est où là?
Alors bah oui là pour footy parce que du coup les vidéos arriveront dans longtemps mais là on est au moment où, par exemple je fais mes vidéos de Fallout 4 donc il s'est passé 9 bons mois je crois entre un moment où voilà j'ai vraiment dû j'ai pas du tout d'accès à internet et tout et j'ai dû arrêter les vidéos. Voilà, mais on reprend. Donc j'étais sur cette fin de zone solo. Putain je pensais pas réussir à niquer ce boss un jour, parce que c'est vrai que Jamie est quand même vachement meilleur que moi sur Dark Souls et quand je suis tout seul bah je galère, déjà je suis une victime dans la vie mais sur Dark Souls tiens salut toi un copain sur Dark Souls je suis encore plus une victime. Putain, comment on sort? Lire le message. Putain, je prends une popo quoi, bon là c'est la fin normalement. Ouais j'arrête pas de. Putain j'étais. J'arrive ma clope. Oh putain. Bon voilà. Trêve d'auto-apitoiement, il faut que je trouve la sortie maintenant d'ici. Putain, ça pète sérieux, parce que du coup, Dark Souls me manquait quand même. Mine de rien, c'est vraiment un putain de jeu de merde qui fait péter des plombs. Parce que depuis, j'ai pété. Alors, on le voit dans ma première vidéo sur comment jouer coop, hein, j'ai pété ma souris. Entre-temps, j'avais pété mes patins de clavier en fait. Du coup, j'ai dû mettre des bouchons de soda en fait collés en dessous pour faire des pieds en fait. Enfin, ça, c'est catastrophique. Parce que ouais, j'ai racheté une carte graphique et compagnie, mais j'ai pas eu les moyens de me reprendre un clavier en plus. Enfin, voilà, j'avais 20 € de budget. Je dépassais de 20 €, du coup j'ai pas pris de clavier. Putain, je suis en vie, donc voilà, entrée pour grimper. Ouais, parce qu'il y a la touche console qui apparaissent, mais moi je joue avec le clavier souris. Putain, je pensais pas le niquer, c'est pas pour ça que je suis vraiment heureux là. Je viens de passer un cap dans ma vie, quoi. Je veux dire, non, je suis content. Alors, j'espère que je vais pas me faire. Voilà, là on commence, voilà, je voulais faire sprint, ça lève le bouclier, non c'est pas ça. On commence, si vous vous rappelez bien, dans le jeu, c'est un fantôme derrière moi, rassurez-moi, oui, c'était le fantôme d'un autre joueur, bah voilà, il est comme moi, il revient après tout ce temps-là, il vient voir s'il y a un loot, bah non, tu vois, il y en a pas, donc il repart aussi. Donc voilà, c'est là qu'on commence dans le jeu, on est dans le cachot, donc je me rappelle dans la première vidéo, Jimmy m'avait dit, est-ce que t'as vu le boss à droite et tout, je dis, bah non, ou que ça. Enfin non, justement, j'avais pas tilté, et en fait, bah voilà, il est juste là quand on débute, en fait, on le voit, et du coup, on se dit, bah quand est-ce qu'on va aller l'affronter, et ben c'est là. C'est là, ça s'ouvre pas ici. On est en vie. Bon, en plus je crois pas que mon son soit très très fort, je regarderai après pour les autres vidéos, parce que j'ai fait un test tout à l'heure et je crois qu'on entendait vraiment pas le son du jeu. Mais mieux vaut qu'on entende ma voix plutôt, enfin voilà, mieux vaut que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre en fait, hein, où on n'entend pas ma voix. Et alors voilà, du coup c'est pour ça que j'ai repris Dark Souls après 9 mois, j'ai fait un petit jour, du coup j'avais un ancien perso qui était dans le village des morts-vivants avec lequel j'avais commencé, j'avais fini par arrêter parce que j'avais buté par inadvertance le premier marchand, toujours avec les problèmes de config de touche console PC. Je lui avais mis une tatane alors que j'étais en train de naviguer gentiment dans les menus, et du coup voilà, je m'en étais voulu quoi. Du coup j'avais refait un perso et personne derrière moi, non c'est bon. Wow, putain ouais je suis. Et du coup voilà j'ai quand même fait le village de mort-vivant, j'ai torché un petit peu le coin. Et puis voilà le projet c'était de. Voilà c'était de. Ah putain je suis en vie. Le projet bah, voilà c'était de me refaire un petit peu au mécanisme. Hein. Donc là bah je crois que j'avais tout visité avant de me faire le boss. Hein. Donc bah je vais sortir. Et puis je crois que je sais pas si je vais faire. Oh putain c'est vrai je les avais pas tués. Du coup je les avais pas tués, j'avais foncé, alors du coup quand on prend pas l'aggro bah c'est tranquille hein. D'accord, donc le deuxième c'était celui qui m'attendait tout à l'heure sur le pas de la porte. Ouais non je crois que j'avais tout fait hein. J'avais tout fait Je descends par là par curiosité quand même. Bah là voilà c'est le premier feu qu'on trouve. Et là normalement voilà si je l'avais pas fait il y a un chevalier, il y avait un gros chevalier ici mais ouais je l'ai Il m'a fait peur lui. Ouais je l'ai torché. Du coup ouais, dur de reprendre Dark Souls quoi, parce que c'est vraiment une putain de jouabilité de console de merde et bah putain ouais dur de s'y remettre comme ça quoi après autant de temps et puis surtout de se faire un boss. C'est pareil, je suis mort un paquet de fois mais bon j'avais perdu mes humanités, enfin j'avais perdu trop de trucs, du coup je me suis dit bon bah allez hein. De toute façon j'ai rien à perdre, j'y vais et puis ouais voilà ça je me rappelle j'avais vu. Parce que du coup j'ai regardé un peu la précédente vidéo avant et j'étais arrivé sur un passage où justement je parlais du boulet de canon qui avait écrasé le mur. Donc non j'ai bien fait cette zone là en entier. Bon bah allez. Tranquille la moumoute, putain elle est dure sérieux. Dur là. Parce que ouais, avec Jimmy du coup bah on a fait une vingtaine de vidéos sur le let's play et puis bah du coup on avait. Attends on peut pas sauter quoi, ouais voilà je rapprends à jouer. Et on avait fait une vingtaine de vidéos sur le let's play et c'est vrai que du coup bah moi voilà comme j'avais dû arrêter Enfin je veux dire voilà on avait 200 gigas de vidéos à upload quoi. Oh mon dieu il y a tout ça. On avait 200 vidéos à upload et c'était enfin 200 gigas et ouais une vingtaine de vidéos et c'était juste énorme quoi. Et donc je pense qu'on va reprendre le let's play. Putain, là, il tombe du ciel. Je pense qu'on va reprendre le let's play vraiment quand j'aurai mis sur le net toutes les vidéos quoi. Parce que là c'est moi personne derrière ouais.
Parce que là c'est dur. Ah putain, je suis en vie quoi. Alors, Jimmy m'avait dit en plus, là il y a un petit. Voilà. Là il y a le petit. Un petit nid en fait. Et il faut mettre des items. Ah, il faut mettre les détritus, je crois. Hein. Je crois que je l'avais fait ça dans la vidéo, je sais plus. Alors, mon menu, il faut que je me rappelle les touches. Voilà. Alors, merde. Faut pas que je touche. C'est dans quoi? Je sais pas où ça. J'ai des items, je sais plus du tout. Je sais plus du tout à quoi ça me sert. Mon perso et tout, je sais même plus. Je sais même plus où j'en suis. Calice royal. Ah oui, c'est ça, voilà. On n'avait pas donné le calice royal au serpent parce qu'on voulait débloquer le serment. D'ailleurs, Jimmy l'a fait parce que du coup, lui, il a terminé sa partie. Donc, il va me rejoindre là sur ce let's play dans pas longtemps avec un nouveau personnage qui l'aura repéré parce qu'il kiffe le jeu. Il le run comme un gros sac. Mais du coup, voilà, on avait gardé le calice pour faire le côté méchant en fait. Je regarde si j'ai des humanités. Je vais peut-être devoir aller en farmer, non? Ouais voilà, j'ai plus, ça me fait plus que 4. Maintenant du coup là il y en a 2, donc ça fait ouais c'est ça qui fait 6 humanités. Je vais peut-être devoir. Bah allez hop, on va farmer les humanités, ça va faire. Parce que là du coup sinon je me dis la vidéo elle va être relativement courte. Farmer les humanités du coup, c'est très simple, c'est aller voir des rats en fait. Hein. Putain. Allez, putain j'ai failli tomber. Aller voir des rats et puis farmer l'huma. Je vais faire ça rapide, mais pour la blague, je sais même plus par où je dois passer en fait. C'était les égouts, ouais. Mais comment on y accède aux égouts? Comment on y accède aux égouts? Ah bah je suis con, j'ai un TP moi maintenant. C'est en train de me revenir, il faut passer par la ville où, là, y a, où la base ville là où il y a les voleurs et tout. Et puis ouais. Bah je vois à peu près, mais du coup là comme bah voilà avec le calice d'âme on peut se TP. Je vais aller me TP, je vais aller farmer quelques humanités pour bah, pouvoir rejouer avec Jimmy, hein, parce que pour ce re... Putain! Ah oh mais le sketch! Ben voilà, hein, c'est ça, hein, pas l'habitude. En plus, j'ai validé aucun feu. Oh putain, c'est ça, hein, pas l'habitude de... Voilà, perte de... Voilà, quand on perd l'habitude de jouer, ben ça devient... Bon, ça, je suis pas très loin. Quand on perd l'habitude de jouer, ben voilà, ça devient vite catastrophique, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, je viens de me prendre un coup, alors que normalement, c'est pas une erreur que je suis censé faire avec mes... Je sais pas, j'ai quelque chose comme 200 heures de jeu sur le truc, quoi, donc je suis pas censé faire ce genre d'erreur. Mais comme c'est un jeu très dur à prendre en main... J'ai pas mon... C'est pareil, mes touches galèrent un peu. J'ai pas mon arc en fait. Ah oui, ça... je vais pas faire ça maintenant, mais oui, ma config. Ouais, ouais. Putain, ouais. Hein. Je mets des coups dans le vide. Putain. Eh, mais c'est un sketch, hein. Parce que franchement, si je perds mes 20 000 humanités du boss, je me bouffe un peu quand même. Oh, c'est pas vrai. Si je perds mes 2000, mes 20 000 humanités, mes 20 000 points d'XP, pardon. Ah ouais d'accord, je me boufferai donc je vais prendre le bouclier. Personne qui m'attend dans les coins, c'est bon. Oui, il est vénère. Parce que là voilà, ça va être genre de reprendre la main, mais je ferai des petites séances de farming avec un de mes précédents personnages, ou ouais, près d'un feu quoi. Pour me rôder à nouveau quoi. Bon, je vais essayer de revenir sans tomber. Est-ce que j'avais mis une touche pour marcher? Ah bah mes XP sont là, c'est gentil ça, je suis pas suivi, hein, non, c'est bon. Ouais, j'ai pas la touche pour marcher, ça il faut que je la reprogramme. Alors là c'est pour récupérer, c'est entrée, voilà. Mes touches. Je vais remettre ma touche marcher. Configuration clavier. Marcher avant. Bah ouais, j'ai mis mage. Ah oui, il faut appuyer. Fais attention de faire des bêtises. Ah d'accord, il y a juste à appuyer sur mage en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'appuyer sur les touches fléchées, le mec marche quoi, d'accord. En plus je sais pas, je pense que j'aurais pu me TP peut-être depuis le feu là, je sais pas. Ouais, j'ai toujours ma petite tasse hein, et ma clope, ça, y a des choses qui changent pas. Ah putain, l'aventure quoi. L'aventure de gros porc, quand même. Bon voilà, ne pas se suicider quoi. Ah oui d'accord, ok voilà, j'ai voulu passer là mais en fait il y a un trou quoi. D'accord. Non mais c'est un sketch. Alors je me dis si je tombe là, bah ouais, il n'y a rien là en dessous là. Non, faut que je repasse par ici quoi, sinon je vais me petit suicider comme Alain Chabat. Ah bah là je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Tranquille là. Ouais, là ça devrait... Oh putain, ouais c'est bon.
Ah, c'est pas Fallout 4, hein. Il est là, il dort l'autre. Bah, je vais pas aller lui parler parce que j'ai peur de lui filer mon calice d'âme en faisant un mauvais dialogue. Pouh! Salut à toi, ami. As-tu des sorts, tiens? Bah non, parce que je crois que j'avais tout acheté. J'avais acheté les. Ouais, hein. J'avais acheté les super trucs, modifier équipement. Bah voilà, je peux le passer en plus 10, ma flamme de pyro. Hein. Bah voilà, je crois qu'on peut pas. Plus, on peut aller en plus 11, d'accord. Mais voilà, 14 000 âmes, quoi. D'accord. Donc j'ai mes âmes de boss, je verrai vite fait. Je crois pas qu'il y ait d'armes qui m'intéresseraient. Tiens, il est là, lui. Bah, je vais lui parler. Salut. Ah, c'est un comique. Alors, des fois, on va leur parler plusieurs fois. Ouais, hein, c'est bon. Je vais checker vite fait ce qu'il y a par là. Alors, est-ce que... Oui, elle est pas morte, la gardienne de feu, vu que... j'avais tué le méchant Lothair, Lothrek, hein, voilà, je l'avais tué. Du coup, bon, allez, hein, je fais vite fait là. Je vais vite faire un petit épée vers. C'est où déjà? C'est les profondeurs, je crois. Je sais même plus. Voilà, c'est là, ouais. Je vais garder mon boubou vu que voilà, faut que je me rôde à nouveau un petit peu dans le jeu, donc. Et puis j'avais oublié, c'était aussi. Alors voilà, non, c'est hop. Alors voilà, c'est pareil, je galère avec mes touches parce que là, je navigue dans mon menu avec mes touches du pavé numérique 8, 2, 4, 6 en fait. Hein. Parce que voilà, le jeu ne me permet pas malheureusement de faire autrement. Voilà, arc noir de Faris, ça il faut que je le up aussi. Et puis voilà, je mettais ma flamme de pyromancie. Si j'avais échangé, parce que du coup, bah voilà, hein, je me faisais le boss avec mon bouclier. Et puis là, ouais, je vois, il y a une âme. Ouais, ça c'est des XP, ça, d'accord. Bon, voilà, voilà, pour faire le boss, j'avais mis le bouclier. Et puis là, le feu dans l'autre main, mais habituellement, voilà, je joue pas comme ça. Putain, ouais, voilà, hein, j'ai perdu l'habitude, je suis pas censé me prendre un coup à ce moment-là. Donc, le circuit pour looter, pour niquer, enfin, pour choper des armes. Des âmes, putain, j'ai du mal à parler. Hein. Eh, je suis sous le choc encore, hein, je suis carrément sous l'émotion. Et bien, le circuit pour choper des humanités, bah, je dis des âmes, mais non, c'est des humanités, bah, c'est ça. Je voulais d'ailleurs, voilà, j'ai l'habitude, voilà, je joue comme ça. Et puis, bon, je voulais faire un truc de feu, mais en fait, tout le monde est mort. Voilà. Et normalement. Et normalement, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire. Ouais, je suis un peu, je suis carrément perdu en fait, hein, parce que il faut mettre l'item pour avoir plus de trucs. Alors c'est le truc du serpent, hein, si je me rappelle, voilà. Augmente les chances de trouver un objet. Ça, c'est mon anneau de roulade, mais du coup, là, je risque d'être un peu plus lourd. Et il me fait une fat roulade, le gars. Alors voilà, je vais mettre l'anneau à ce moment-là là pour mon poids. Et puis comme ça normalement je devrais quand même faire une roulade rapide. J'aurais pas le salto. Augmente la charge maximale. Voilà, j'aurais pas le salto, mais voilà, je fais quand même une roulade rapide avec le truc qui me. Voilà, je parie que là il y en a un là. Je sais pas pourquoi, je le sens. Hein. Là je suis trop fort. Hein. Je prends le bouclier quand même. On va pas tenter le diable. Il est tombé lui. Bah tiens, je vais pouvoir prendre. Ouais, j'ai du mal dans les touches là. Donc ouais, arc noir de Faris, ça je l'avais montré bah non, sur la précédente vidéo à Noir Souche, il faut que je le up parce que c'est vrai qu'il est comme je joue avec du stuff léger, bah il est bien quoi. Si on veut un stuff léger, bah voilà. Putain, je prends une popo, bon ça c'est pas grave parce que je suis pas en phase de combat, mais voilà, voilà, on chope les humains comme ça en fait. Enfin les humanités. Allez, bah, je vais arrêter la vidéo là, parce que là ça va pas être intéressant, je vais revenir au feu et puis je vais juste enchaîner ce passage là, parce qu'un peu plus loin, il y a les fameux basiliques là, les grenouilles géantes, et j'ai pas vraiment envie de m'y frotter quoi. Vu que là je redémarre un petit peu dans le game. Donc voilà, on va pas aller tenter le diable quoi. Bah voilà, c'était Gunti, je vous fais plein de bisous, je vous remercie, j'ai 120 abonnés là à l'heure actuelle, ça fait vraiment plaisir. Surtout que j'avais fait la chaîne à la base bah voilà, pour les potes, pour Angel, pour Kana, pour Jimmy, pour mes potes Thury et Miro. Donc bah voilà, ça fait plaisir qu'il y ait du monde qui suive. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était Gunti sur Dark Soul. Bah je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à suivre la fin de ce let's play qui va s'annoncer fort en émotion. Allez, plein de bisous, à bientôt. Ciao.